Regardez cette sonorisation pour ce qu'elle dit, et manifestement elle n'est pas ce que vous en dites. Il est incontestable que ce sont des faits d'une extrême gravité, les quantités sont très importantes, c'est un produit dont la nocivité est reconnue par le législateur. Ça, pour nous, ça n'est pas tellement la question. La question, c'est la motivation de la culpabilité retenue contre Robert Dose, le fondement d'origine, qui est un renseignement donné par la NCA, qui est l'agence de lutte contre la criminalité organisée en Angleterre, qui est un renseignement donné qui, en fait, est une affirmation. L'affirmation que Robert Dose dirigerait une organisation criminelle dont ferait partie de personnes parties au Mexique puis au Venezuela en avril 2013, donc quelques mois avant l'importation. Et cette affirmation, nous la contestions comme une affirmation, c'est-à-dire qu'elle est vraie ou elle est fausse, mais elle n'est pas démontrée. Je pense que Robert Dose aurait interjeté appel, qu'il soit condamné à 15 ans sans sûreté ou à 25 ans avec 2/3 de sûreté. Alors 22 ans, 2/3 de sûreté, ça ne produit pas d'autre effet pour lui que la conviction qu'il faut immédiatement interjeter appel. C'est une affaire exceptionnelle en raison des quantités saisies, du nombre de personnes mises en cause de nationalités différentes. C'est un réseau d'une ampleur internationale qui porte sur une grosse quantité de cocaïne puisque quasiment 1,3 tonnes de cocaïne ont été saisies. Et puis c'est un dossier qui a mobilisé la police britannique, française, espagnole, les autorités judiciaires italiennes, vénézuéliennes, l'Eurojust qui a beaucoup aussi soutenu tous ces efforts policiers, et donc c'est le fruit d'une belle coopération policière et judiciaire européenne.